Inflation, chute de l'euro, plus effondrement du commerce extérieur, ça va mal finir. Les ventes à l'international se font encore principalement en dollars. Malgré une chute de l'euro de 20% en un an et demi, les résultats du commerce extérieur français sont les pires depuis qu'il existe des statistiques sur les échanges internationaux. Dans une économie saine, la dévaluation de la monnaie, quand je parle de dévaluation, c'est aussi bien une dévaluation formelle qu'une dévaluation de fait par le jeu des parités monétaires sur le marché, sur les marchés des monnaies, favorise les exportations. Notre balance commerciale aurait donc dû s'améliorer sur les 18 derniers mois. Bonjour les amis, c'est Pierre Momont, content de partager avec vous l'analyse des manifestations de la crise qui frappe la France.